à Média Plus Télévision. Les impressions, c'est déjà, on est très heureux de vous accueillir. Merci d'être venu pour cette journée qui est très importante pour nous. C'est l'officialisation de CIC, le Cercle des Internationaux du Congo. Il y a eu plusieurs phases, et là c'est l'officialisation. Il y a eu les phases où on se réunissait à Bruxelles pour des réunions de réflexion sur le développement de notre football. Et l'idée, c'était justement de créer cette association pour pouvoir justement prendre nos responsabilités en ce qui concerne le développement du Congo, enfin du football au Congo, et responsabiliser aussi les footballeurs de par notre après-carrière, ce qu'on peut apporter aux jeunes qui arrivent derrière nous, et de manière générale, voilà, avoir un impact sur le développement. Quelle est la vision que vous faites aujourd'hui du football congolais, de manière générale? Vous savez, il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur le football congolais, de ce que nous, on a connu, ce qui a été fait avant nous, et ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a du progrès. Bien sûr qu'on aimerait que ça se passe mieux, mais on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. C'est pour ça aussi que nous organisons pour pouvoir apporter quelque chose, être une force de proposition. Voilà, donc je pense que ce soit les instances au niveau du pays ne peuvent pas à elles-mêmes développer, apporter ce que nous souhaitons sur la réussite du football de manière générale, même du sport. Donc on a notre responsabilité et on fait en sorte justement d'apporter quelque chose. Alors, cet essai ici, ça sera la bonne ? Je sais pas, mais en tout cas, on a mis énormément de notre énergie à pouvoir justement organiser ça. Il y a eu beaucoup d'implications des anciens, des membres. Il y a aussi l'UFC, qui est l'Union des footballeurs du Congo, qui nous a énormément soutenus dans cette démarche. Et on aura des invités, des anciens qui seront là. Il y a aussi nos jeunes frères Youssouf Mouloumbou qui a vraiment insisté à nous soutenir sur cette démarche-là. On fait tout pour que ça fonctionne. On verra, l'avenir nous le dira. Merci capitaine. Merci.